Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Cécile Maillé du blog Plantes Essentielles. Aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est un petit objet très sympathique. On en trouve plein, des comme ça, et en même temps aucun. En fait, la plupart des choses qu'on trouve nous viennent de Chine, sont fabriquées industriellement. Là, ce que je vous propose, c'est un bijou aromatique, mais qui est fabriqué en France par un artisan et en bois local. Il s'agit de notes essentielles, notes comme notes de musique, notes de piano, une belle analogie avec les notes aromatiques de nos huiles essentielles. Ce collier, c'est celui-ci. C'est un petit collier tout simple, qui est très facile à porter. Donc, qui est déjà monté sur, voilà, sur le, en pendentif, hein, tout simplement. Et donc, il n'y a plus qu'à dévisser pour le porter. Je vais vous faire une petite démonstration. Voilà. Donc, alors, c'est vrai que j'ai le micro, mais vous voyez, ça a une taille vraiment qui est très raisonnable. Alors pourquoi c'est une note essentielle? Ça ressemble à une touche de piano avec cette partie blanche au milieu, tout simplement puisque c'est une personne qui a commencé à faire de ce qu'on appelle l'upcycling, c'est-à-dire de prendre ce qu'on pourrait considérer comme des déchets, des objets qui ont été mis au rebut, comme des vieux pianos, et de récupérer les touches en bois pour en faire des pendentifs. La matière venant à manquer, puisque on ne jette pas des vieux pianos tous les jours, eh bien, on a ce petit pendentif qui est fait en bois d'olivier. Alors, pourquoi c'est un bijou aromatique? Eh bien, c'est assez subtil, finalement. Personne ne peut s'en rendre compte. On a, hop, cette petite languette qui s'enlève et qui peut être imprégnée d'une huile essentielle. Alors, c'est du nylon synthétique. Et donc, ça permet aussi derrière de le nettoyer facilement et du coup de changer d'huile essentielle. Parce que sinon, si ça s'imprégnait et que l'odeur ne partait pas, eh ben, on serait bien embêté. Donc, comment on fait? Tout simplement, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. On met 2-3 gouttes d'huile essentielle sur la languette. C'est vrai qu'il faut bien viser. Je la tourne en même temps. J'ai mis 5 gouttes. Ils sont très bons. Donc là, j'ai mis du romarin à verbenone. Idéal si on veut rester concentré, si on a besoin de se concentrer. Et je le reglisse, hop, dans le pendentif. Et ce qui va se passer, c'est qu'il y a là 3 petits trous qui vont laisser l'odeur diffuser. Et donc ça, c'est idéal pour les personnes qui ont besoin de faire de l'olfaction des huiles essentielles. On peut tout à fait pratiquer ça au flacon dans la journée, sauf que dans la journée, on n'y pense pas forcément, on se laisse un petit peu dépasser par les événements et voilà, on ne pratique jamais l'olfaction. Donc finalement, ce petit collier, on va le mettre comme ça dès le matin et toute la journée, il va diffuser très subtilement. Vous allez par moment le sentir, par moment ça va un petit peu s'estomper. Ça dure, on va dire, une demi-journée, 4 heures, où vraiment vous allez sentir l'odeur et ensuite ça s'estompe beaucoup. Vous pouvez tout à fait le recharger, mais pour une journée, ça suffit amplement. Et donc, comme ça, vous allez humer de manière passive vos huiles essentielles préférées, celles pour lesquelles vous avez identifié un besoin thérapeutique, un besoin énergétique, un besoin de bien-être tout simplement. Et donc ça va vous permettre d'avoir ça sans installer dans votre bureau un diffuseur qui éventuellement pourrait gêner vos collègues, sans avoir besoin de sortir vos flacons, vos bidules, etc. Tout simplement dans des situations peut-être de travail, de rendez-vous, etc. Alors que là, avec simplement ça, personne ne sait finalement ce que c'est. Vous avez ça autour de votre cou, vous sentez, éventuellement les gens à qui vous faites de la bise vont se dire « elle a un parfum, hein, c'est intéressant ». Mais c'est pour vous, c'est toute la journée et ça va vous permettre de pratiquer l'olfaction sans vous en rendre compte, sans avoir besoin de se rappeler, de se dire « oula, il faut que je sorte mon flacon, il faut que je fasse ça ». Ça va se faire de manière passive
Et c'est très intéressant, notamment dans tout ce qui est problématique liée au stress, où on a tendance à se laisser submerger et à pas avoir cette pratique de manière consciente ou pas suffisamment. Donc, petit bijou aromatique fabriqué en France, note essentielle, c'est vraiment très très chouette d'avoir ça, ben, tout simplement quand vous voulez pratiquer l'olfaction, mais que vous n'arrivez pas à vous discipliner pour le faire, et ben hop, juste ça, le matin, 4-5 gouttes sur la mèche, vous glissez dans le collier et hop, c'est parti pour la journée.